Et salut tout le monde, c'est Sadako et Rico, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Eh ben ça va bien, c'est de la baston pour le game show de Persona 4 Arena en version Ultimax, c'est-à-dire tout simplement la version ultime, comme vous pouvez vous en douter. Alors c'est sorti le 20 novembre 2014 sur PlayStation 3 et Xbox 360, c'est bien sûr un jeu de combat en 2D, ça vaut 40€, c'est Peggy 12, c'est édité par Atlus, donc Sega Atlus, hein, ça marche un peu ensemble, développé par Arc System Works, donc le très gros Arc System Works qui est vraiment une légende du jeu de baston. On en parlait d'ailleurs avant de commencer cette vidéo, hein, Riku. On parlait de BlazBlue, il y a eu aussi les Guilty Gear, donc on attend Guilty Gear XRD, pardon, qui sera sorti sur PlayStation 4 l'année prochaine. Et donc cette version Ultimax, alors on va vous faire un test, mais on va pas vous faire un texte aussi complet que si on n'avait jamais eu le jeu entre les mains jusqu'à présent, parce que c'est une version plus, donc on va vous parler un peu du contenu, on va faire une petite piqûre de rappel sur le gameplay, et puis on passera au verdict, donc on ne fera qu'une seule vidéo. Alors là j'ai choisi moi de vous montrer, j'ai commencé par vous montrer un nouveau personnage. Il y en a quelques-uns quand même, je les ai pas tous comptés parce que j'ai plus un souvenir très net de Persona 4 Arena qui est sorti l'année dernière, mais entre temps j'ai fait plein d'autres jeux, donc je m'en souviens pas des masses. En revanche, ce que je sais, c'est que celui-ci par exemple, donc c'est Ken et son petit chien qui s'appelle Koromaru. Bien, c'est un nouveau personnage. Et ça va peut-être faire un petit peu aussi polémique parce que c'est un petit peu un personnage cheaté en fait, Ken et Koromaru, parce que ils sont très puissants en fait, et avec son bâton il peut frapper de loin, avec son chien il peut aussi avoir une allonge vraiment géniale, et c'est l'un des personnages peut-être pas les plus techniques à utiliser, mais quand même c'est pas le moins fort du jeu. Mais en fait, il frappe à distance et tu peux faire attaquer le chien au corps à corps, c'est ça? Les deux, en fait. Bien, je peux attaquer au corps à corps et en même temps, j'envoie le chien. En fait, tu peux faire des combos de baisers avec ce personnage-là. C'est pour ça que c'est ouf, parce que tu peux te servir non seulement du personnage, de Ken, de aussi Koromaru, et aussi de ton Ultima, donc de ta persona, pardon. Donc en ça, c'est franchement un personnage qui a beaucoup de possibilités de combos différentes, et en ce sens-là, il est quand même assez cheaté, mais en même temps, il faut quand même réussir à enchaîner toutes ces techniques, ce qui n'est pas non plus supra évident, surtout dans les niveaux de difficulté maximaux et aussi sur le PSN, enfin sur le live quoi, hein, quand tu vas faire des combats en ligne. Donc sinon au niveau des autres nouveautés, on a surtout, je vous montrerai tout à l'heure, un mode arena, et on a surtout une balance des personnages. Ça c'est un petit peu, hein, Riku, tu sais bien, le point fort de chaque version révisée. On a ça avec les Ultra Street Fighter, etc. Oui. etc. Donc ils en font plusieurs trucs, mais c'est vrai que le jeu vidéo japonais aime bien faire des rééditions et pas forcément donner ça en mise à jour ou en DLC, et ils rajoutent toujours d'autres choses. Alors sur certains jeux de baston, c'est vraiment juste les personnages qui vont être un petit peu rebalancés, certains nerfés, d'autres un petit peu revus au niveau des techniques, au niveau de la force, de l'endurance, etc. Là franchement c'est quand même assez léger. J'ai pas trouvé non plus qu'il y avait un monde entre Persona 4 Arena et cette version Ultimax. Ensuite, après, ce qu'il faut dire, c'est que les jeux généralement de Climax sont quand même assez bien balancés de base. Oui. Ils ont un savoir-faire assez précis là-dessus, même s'il y a toujours des personnages comme d'habitude qui sortent du lot. Après, tu joues forcément mieux avec certains personnages aussi. Il y en a certains, oui, qui sont plus faciles à prendre en main que d'autres. Donc forcément, t'as plus d'accroche avec certains personnages. Mais moi, pour ce que j'ai joué à BlazBlue, parce ouais, que j'en ai fait deux. Moi, la balance m'avait pas choqué entre non. les personnages, au contraire d'un Street Fighter 4 oui, à sa sortie. Ça, c'est clair. T'arrivais devant le boss de fin et t'étais là, mais excuse-moi, mais non. Mais quoi. Laisse-moi jouer, putain. Oui, c'est pas possible. Ou Ogre dans Tekken 3, oui, c'était aussi, un truc c'était de non. fou, quoi. Non, mais c'est vrai que les jeux de baston d'Arc System Works sont quand même. Il y a deux grosses qualités, moi, je trouve. Enfin, même trois, il y a bien plus que ça, mais les deux grosses qui ressortent, c'est selon moi déjà des graphismes à tomber par terre en 2D et aussi. Le gameplay qui est toujours très 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 nerveux, tactique mais accessible.
disponible, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et surtout, moi, ce qui me plaît à mort dans les jeux de Arc System Works, c'est que t'as pas de clones. Et oui. Tous les personnages vraiment se manient de différentes manières, et t'as des techniques, enfin des choses très très différentes, ce qui fait que j'ai réussi à faire un contre. Fatal Counter, c'est pas mal ça. On a toujours en fait des personnages qui se maîtrisent différemment. Donc il va falloir déjà d'une part, enfin moi c'est ce que je fais, je sais pas si tu fais pareil Riku, mais quand j'ai un jeu comme ça dans les mains, je fais on va dire 5 combats avec chaque perso. Et après je vois celui que je préfère et je me spécialise dans celui-là. Mais c'est pas les genres de jeux où je vais être fort avec 4 personnages. Il y en a 2-3 que je vais vraiment bien gérer en général. Et les autres après je suis une quiche avec, je suis incapable parce qu'il faut vraiment y passer énormément de temps. Donc ça c'est un très gros point fort pour moi des jeux Arc System Works. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit climax. Oui, c'est parce que ça arrête pas d'être marqué à l'écran, ça me stresse. Oui, c'est ça. Non, en fait, c'est leur grande force à eux, c'est qu'ils ont pas forcément à chaque fois les rosters les plus impressionnants d'un point de vue quantité. Par contre, ils savent gérer leur roster, ils savent l'exploiter au maximum. Au contraire, moi, je dirais encore une fois de certains grands jeux du genre du type Tekken ou du type Street Fighter même, qui nous balance mais des dizaines et des dizaines de personnages, de nouveaux personnages à chaque épisode, etc. Mais souvent on se rend compte que certains personnages se rassemblent, j'ai envie de dire Ryu, Ken, Akuma, etc. C'est quand même des personnages deux coups près. Ouais, voilà, c'est ça. Alors bien sûr Ken va être plus fort sur les comment il s'appelle déjà, c'est ces punch là, les Dragon Punch, je crois que je sais plus. Ouais, c'est ça. Et Ryu, ça va être plus sur les Hadoken. Mais voilà, c'est des personnages qui sont très similaires, qui jouent en arc de cercle, etc. Il y a vraiment différents types de personnages, mais qui finalement, en termes de gameplay, se ressemblent assez. Ouais. Là, pour le coup, avec les jeux, moi, j'ai pas fait Persona. On me l'a toujours conseillé. J'y ai joué il y a 2 ans, vite fait, à Japan Expo, mais sans plus. Par contre, BlazBlue, c'est quelque chose que j'ai toujours reconnu. Pour ce qui est de jouer avec les différents personnages, moi j'utilise certaines. Enfin, moi je suis. J'utilise pas du tout la même technique que toi, faire synchrone. En fait, moi je joue chaque personnage jusqu'à se trouver celui qui me convient. Alors après, s'il y en a d'autres que j'ai pas forcément essayé ou beaucoup approfondi, c'est parce que j'ai trouvé avant le personnage qui me convient. Ouais, qui te convient, ouais. Voilà, un style de jeu qui me convient en particulier. C'est plus mon truc, on va dire, de faire ça comme ça que d'essayer de faire 5 matchs avec tous les personnages. Avec tous les persos, ouais, moi je veux tous les essayer avant. On a chacun nos petites manies. Tu vois, dans Ultra Street Fighter 4 par exemple, il y a quelques personnages, j'ai jamais joué avec eux. Vite fait en ligne parce que je faisais des combats aléatoires et que. Ouais, je les ai eus, mais sinon j'ai jamais testé, tu vois. Donc voilà, après c'est chacun son truc, je pense. Mais après, oui, ouais, c'est pas mauvaise. Mais enfin, je rejoins ce que tu dis, hein. C'est vrai que je préfère avoir un roster, un casting où il y a 12 personnages comme dans les jeux de Arc System Works et qu'il y en ait 12 différents plutôt que 48 ou t'es 40 clones, quoi. C'est franchement Le dernier jeu de combat où j'avais trouvé que le roster était quand même assez impressionnant et pour le coup avec des pas beaucoup de doublons, je parle en gros termes, en jeu de combat avec de très gros impacts de vente, c'est Mortal Kombat. J'ai trouvé franchement que ça s'en sortait vraiment très très bien de ce côté là, quoi. Ouais, c'était franchement même au niveau de l'équilibrage entre les personnages et tout, c'était vraiment vraiment très sympa ce qu'ils avaient fait. Ouais, c'était vraiment cool. Bon, j'arrive pas à vous sortir plein de combos avec elle là en face parce qu'elle elle bouge beaucoup et j'arrive pas à finir ce que j'entreprends. Bref, donc je vous disais sinon au niveau des nouveautés qu'on va pouvoir trouver. Donc on a des nouveaux personnages, donc dont Ken et Koromaru, Junpei, Rise, Adachi notamment. Il y a aussi une nana qui s'appelle Marie, je crois. Une grosse nouveauté, je vais vous montrer ça dans les menus après. Donc le mode arena, mais aussi pour chaque ou presque, je crois qu'il y a qu'un ou deux, il y a qu'un ou deux personnages qui n'ont pas cette option là. Tu vas pouvoir choisir de combattre avec la version standard et la version shadow. Alors ça, il y a pas mal de jeux de baston aussi qui le proposent. Donc tout simplement en version standard, bah, c'est la version qu'il y avait dans Persona 4 Arena, et la version shadow, c'est une version plus dark de ton personnage qui change d'apparence. Et surtout, ça va enlever quelques petits mouvements inutiles pour plus te focaliser sur l'attaque. Donc t'as un personnage qui est plus fort.
aussi un peu plus faible au niveau de l'encaissement des coups. Et ça change un petit peu le gameplay. Donc quand t'arrives à bien maîtriser un personnage en standard, moi ce que je conseille c'est d'aller plutôt après t'entraîner avec lui en shadow, parce qu'il y a moyen d'être encore plus fort. Si tu le maîtrises bien en shadow, là tu deviens vraiment une bête de course. Enfin, c'est ce que ça... C'est un mode bourrin, quoi. Ouais, pas bourrin, je dirais, mais disons qu'il faut bien caser ses attaques et tout. Donc, c'est pas, pas supra. Enfin, pour commencer, c'est pas ce que je recommande en tout cas. Ouais. Donc, tu contres les attaques du personnage en attaquant toi-même, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. T'as pas ça sert plus à rien de se protéger, mais faut contrer et contre-attaquer. Donc mode Golden Arena, alors ça c'est le mode vraiment sympathique en fait, où tu vas pouvoir, ça mélange combat et RPG. Alors à la manière des Persona, tu vas monter une sorte d'ascenseur, enfin tu montes dans les étages quoi. Et regarde là, je suis level 5, donc j'ai la force, stamina et tout. Stamina, MH, je sais plus ce que c'est, EN c'est endurance, agility, luck, donc là tu vois que j'ai rien mis en chance et tout, donc en fait plus tu vas gagner de combats, il y en a 50 au max, et plus tu vas pouvoir mettre de points sur les différentes habilités de ton personnage. Donc ça fait un petit mode RPG qui est vraiment fun. Ça tu peux le faire avec tous les personnages, et du coup j'ai trouvé que c'était très intéressant ça. D'accord, donc en gros, plus tu combats, plus tu augmentes les capacités de ton personnage, fort, et puis voilà. Tu peux te build un personnage comme tu le désires en fait. Ouais, c'est ça, donc c'est franchement cool. Mode histoire, j'en parle à peine parce que voilà, il a été, je l'ai pas vérifié parce que j'en souviens pas de façon sur Persona 4 Arena, mais dans Ultimax, c'est marqué qu'il y a des pans qui ont été un petit peu refaits pour que ça soit un petit peu moins lourd. Franchement, les dialogues sont chiants, je sais pas toi, mais personnellement, moi, je joue pas un jeu de baston pour lire des lignes entières de texte. Et ça, c'est... Quand il y a plein de cinématiques, ça me dérange pas, mais quand on a que des textes, c'est chiant, quoi. C'est comme BlazBlue, ça. Oui, voilà. Faut aimer, quoi. Faut aimer. Ouais, c'est un peu le problème de Arc System Works, qui sert surtout de... qui font ça un peu à la manière d'une visual novel, en fait. Oui, puisque, un petit peu, ouais. Qu'à la manière d'un Mortal Kombat avec des vraies cinématiques, ouais. Quoi. Après c'est un parti pris hein. Moi je trouve que ça se marie assez bien avec le style de jeu pour le coup. Avec le style graphique ouais forcément ouais. Mais... Après c'est vrai que des fois c'est un peu longué. C'est un truc qu'on ouais, a c'est plus trop ou moins tout le temps reproché un petit peu à leur production ouais. Mais bon c'est leur truc, on aime ou on aime pas quoi j'ai envie de dire. Il y en a qui apprécient hein. Attends je me ressaisis là parce qu'elle est en train de me cogner fort elle. Allez, allez Koromaru, allez. Allez Persona Break monte. Voilà, c'est bon, j'ai. Donc oui, au niveau après des autres nouveautés, je crois qu'on a fait le tour. Donc sinon, pour vous reparler un petit peu rapidement du gameplay, bon bah sachez que c'est pour faire vite, hein, c'est un gameplay à 4 touches avec des combinaisons entre les touches et des quarts de cercle, etc., etc. pour faire des combos. Si vous avez déjà joué à un jeu Arc System Works, un BlazBlue, un Guilty Gear, vous saurez, enfin vous reconnaîtrez tout de suite le Arc System Works style, comme je l'appelle. Ça a l'air d'être pareil, ouais. Ouais, c'est à quelques, c'est du même genre quoi. Donc c'est hyper jouissif pour ceux qui aiment ce style de baston. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est accessible, mais quand même archi technique hein, pour tout maîtriser. Là, je vais pas jouer sur le PSN, sinon je vais me faire victimiser parce qu'ils sont très très forts et je suis quand même pas un très bon joueur. Il y a pas beaucoup de jeux de baston moi que je maîtrise vraiment à fond et même ceux que je maîtrise vraiment bien, j'ai jamais été dans les 100 premiers mondiaux hein, par exemple. C'est quand même quelque chose de très très dur et il faut jouer beaucoup de toute façon pour toujours faire des points, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Après t'as des vrais spécialistes hein, des mecs qui jouent qu'aux jeux de baston. Ah oui hein, ça ils sont vraiment fans. Moi j'avoue franchement les jeux de baston depuis l'époque allez limite 32 bits mais surtout Super Nintendo, j'y touche plus beaucoup quoi. Moi j'ai un peu plus lâché, j'ai fait beaucoup de jeux de baston forcément sur Dreamcast parce qu'il y avait beaucoup de jeux d'arcade, Soul Calibur, hein. Excellent Soul Ka, même Street Fighter, je sais plus lequel là, EX, Rival Schools machin. Rival Schools, j'ai fait beaucoup de Soul Ka, Power Stone aussi. Oh là Power là. Stone, ouais mais Power Stone c'était pas pareil non plus. Ah mais c'était cool hein. Mais c'était cool, ouais, j'ai fait cool. Beaucoup les Fatal Fury, les King of Fighter, enfin tout ça mais pareil, voilà c'est ça, moi ça j'adorais vraiment, quoi. J'étais vraiment dessus et puis
puis ça a commencé à s'éteindre. Il y a eu des mauvais épisodes, même si King of Fighters 13 il est quand même vachement bien. Ouais, il est pas mal, ouais. Ouais, je l'ai trouvé vachement bien. C'est vrai que ça s'est un peu éteint et c'était le style baston 2D qui me plaisait. Ça s'est un peu éteint au fil du temps en fait. Et bah, puis je pense qu'on s'est un peu lassé aussi à force d'en faire. Et puis, comme je le dis toujours, c'est absolument pas péjoratif ce que je vais dire là, parce que de toute façon, on peut pas faire de. On peut pas faire de. Comment dire, de révolution avec le. Avec le jeu de baston, mais c'est un genre qui n'évolue que très très peu, et quand on a fait plein, moi je suis un petit peu dans ce cas-là aussi, j'ai été bercé un petit peu au jeu de baston, l'un de mes premiers jeux auxquels j'ai joué sur console c'était Street Fighter 2, bon bah il arrive un moment, tu fais une petite pause quoi, là je reprends plaisir à en refaire un petit peu plus des jeux de baston, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi en tout cas, sinon tout ça pour vous dire qu'en verdict je lui ai mis 17 sur 20, ce Persona 4 Arena Ultimax, tout simplement parce que bah, c'est l'un des meilleurs jeux de baston en 2D du moment. On peut dire qu'il n'y en a plus beaucoup non plus. Les nouveautés sont sympas, le mode story toujours aussi relou et inintéressant, mais si vous aimez les jeux Arc System Works, foncez, c'est de la bonne. Si par contre vous possédez déjà Persona 4 Arena, bah, posez-vous la question quand même, parce qu'à 40€ ça fait un peu cher la mise à jour. Quoi. À part si vous arrivez à revendre à bon prix à Arena, quoi. Et ouais, voilà. Pour avoir moins cher. Mettez quoi. Pas plus de 15-20€ en faisant la différence, on va dire. Quoi. Ah, c'est souvent le cas des rééditions. Hein. Moi, je me suis arrêté à Super Street 4. Hein. Ah, bah ouais, t'as raté Ultra Arcade. Ultimate. En fait, j'ai fait ça spécial, moi, pour la petite anecdote 36-15 ma vie de fin de vidéo. j'ai acheté l'arcade édition sur PC à 5 balles, puis comme j'arrivais pas à jouer avec une manette 3-6, je l'ai racheté, j'ai racheté Super Street 4 normal sur PS3. Voilà. D'accord. Parce qu'avec une manette 3-6, c'est juste pas possible. Les touches directionnelles, c'est. Ouais, c'est ça très, va très pas beau. Bien, non, c'est clair. Ah, et c'est on avait une question de suicide, je crois, si tu pouvais la retrouver dans le chat, parce qu'il a l'air tout triste sur le chat. Ah bon? Mais je l'ai pas vu défiler donc. C'est peut-être sa question au début, je sais pas. Est-ce que c'est une fille? Y a pas un problème, elle s'appelle Ken. Ah non, c'est. Ouais, bah tu sais, c'est androgyne, hein, c'est comme. Non, c'est un garçon, hein, Ken, c'est un homme garçon. Oui, c'est un garçon. Et c'est juste un petit peu japonais sur les bords, hein, suicide donc. C'est plus ou moins androgyne. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou et puis ben on vous dit à d'autres dans d'autres aventures, dans d'autres vidéos, à bientôt. Salut.